Donc, une fois que nous, une fois que nous créons nos nouveaux documents, nous avons bien une fenêtre ça qui apparaît. Donc, son fenêtre qui propose nous différentes, qui propose nous différentes et possibilités sous, dépendamment de quel type de document nous travaillons. Donc, si c'est pour photo, si c'est pour impression, si c'est pour illustration, si c'est pour web, si c'est pour mobile, si c'est pour, en fait, quand on dit mobile, c'est parce qu'avec Photoshop, nous sommes capables de faire interface mobile, en fait, interface pour téléphone mobile, qui c'est pour Internet. Donc, bref, nous avons designé des interfaces mobiles avec Photoshop. Et puis, film et vidéo, que nous avons regardé, c'est parce que Photoshop a une possibilité tout pour nous capables de faire des petits montages vidéo, mais qui n'est pas aussi complexe tant que Adobe Premiere. Mais si vous avez Adobe Premiere sous main, vous êtes capable d'utiliser Photoshop pour capable faire un petit montage vidéo, c'est ça, les différents formats HDV. Donc, bref, comme nous parlons de cause de montage vidéo 4K, comme nous parlons de cause de montage vidéo, donc ça va m'intéresser, non? Puisque nous-mêmes, nous avons graphic design, c'est travail nous principalement destiné pour impression. Donc, c'est ça qui en pile fois, on a choisi impression. Ça nous est le point. Ça aussi, des formats prédéfinis, lettres, ça nous met les papiers à lettres, non? Les gars, ça a été mis à 14, tablettes, ça a été 11, 17, et nous avons parlé avant, à 4 formats européens, à 6, à 5. Donc, bref, ça aussi, des différents formats qui prédéfinis, ils sont capables de dire que c'est des formats standards. OK? Et puis là, c'est côté ou capable modifier ou capable mettre tes propres formats pour vous. Ok, là, c'est unité de mesure. Est-ce que vous voulez prendre en pixels, en pouces, en centimètres, en millimètres, en points, en picards. Donc, vous choisissez unité de mesure de travail. Et puis là, vous mettez un format qui fait plaisir. Ça, c'est pour hauteur. Ça, c'est pour largeur, pardon. Ça, c'est pour hauteur. Ça, c'est orientation que nous avons parlé. Hein. Depuis que, par exemple, là, je choisis un format 8 par 8, un format carré, je choisis landscape, je choisis portrait, là, toujours même genre, puisque c'est un format carré. Artboard, c'est espace de travail. Donc, l'idée, c'est un bail qui présent dans Illustrator que vous faites bien mettre dans Photoshop, c'est à partir de version 2020 on mettait. Donc ça c'est des plans de travail, capable d'utiliser plusieurs plans de travail pour faire conception à faire. Par exemple, si vous faites quatre deux visites, vous choisissez Photoshop pour faire, vous faites une autre version. Donc là, vous choisissez deux plans de travail. Donc vous cochez Artboard. Et puis après ça, vous choisissez deux plans de travail. Résolution. Nous avons dit dimanche dernier, nous avons parlé de résolution. Nous avons fait différence entre résolution avec définition. Donc, résolution, c'est distance. Et là, nous parcourir en distance de 11 pouces. Quantité de pixels ou joint sur distance, ça, c'est le même les résolutions. Chaque fois que nous parcourons en distance de 1 pouce, quantité de pixels nous joignent. Sous distance, ça, c'est lui-même qui est la résolution. Donc, nous, elle est exprimée en pixels par pouce. OK? Donc, il y a une autre façon de faire, mais là, c'est trompeur. Puisque définition, même résolution, c'est sous une longueur de 1 pouce, quantité pixels ou maintenant, c'est lui-même qui est résolution. Donc, c'est pixels par pouce. OK? Après, ça vient mode colorimétrique. Il y a plusieurs modes colorimétriques, ça dépend de qui espace couleur travail. Donc, là, on parle de mode colorimétrique, c'est un peu. Il y a des espaces couleurs qui n'ont pas travaillé. J'en ouais. Et Stanley a parlé nous avant hier. Donc, il y a RGB. Et nous allons choisir le mode colorimétrique en fonction de destination travail.
Et ça fait nous demander nous pour faire travail pour lui. En plus que nous finissons de ce qui formal les faire, c'est qu'on est tout qui utilisation pour le faire à travers ça. Est-ce que son travail est compté imprimé ou bien pas compté imprimé? Mais si nous son travail est compté publié sur les réseaux sociaux, il va pas imprimé. Donc là, ça, on travaille en RGB. Donc tout travail qui est destiné pour écran, pour internet, pour réseau social. Donc on affiche à l'écran. Donc c'est pour le et c'est pour le colorimétrique ça. RGB c'est red, green, blue. Donc c'est trois couleurs qui constituent mode colorimétrique ça. Rouge, vert, bleu. Donc c'est avec couleur ça au téléviseur servi. La télévision depuis longtemps jusqu'à présent. Donc c'est trois couleurs ça, la télévision combinée pour les produits images que nous avons gardé. Après ça, il y a une bitmap, grayscale, c'est le niveau de bruit. Et puis il y a CMYK, Cyan, Magenta, CMYK. Cyan, Magenta, Yellow. K, c'est black. Par convention, on était pour black. Donc ça, c'est quatre couleurs qui sous presse imprimerie. Hein? Donc, quand on travaille en dessinant à l'impression, donc c'est toujours en quatre couleurs: cyan, magenta, yellow, black. Cyan, c'est en bleu. Bleu, ça n'a pas de là. N'a couillé, non? Bleu, cyan. Et puis magenta, c'est en rouge. En rouge, que bah, ouais, là, qui est attiré sous violet. Et puis jaune, que nous connaissons. Et puis noir que nous vendons. Donc ces quatre couleurs ça, imprimer, les combiner pour les capables d'imprimer. Mais pas seulement et impression quatre couleurs. Ça c'est pas seulement technique ça qui existe. Impression quatre couleurs. Il y a impression tout en six couleurs. Ça nous est hexachromie. Donc là on parle de impression quatre couleurs, c'est quadrichromie. Hexachromie, impression 6 couleurs. Donc là, ça va ajouter en orange, en vert, dans la couleur ça, dans les barres ça. Donc, on va faire impression 6 couleurs. Mais dernier bar, on va dire nous sur cause ça, c'est que longtemps, il y a des conditions que si toutefois, travail, on dessine à l'impression pour choisir si c'est moi qui. Mais qu'on y a, bon, ça fait plus que 20 ans depuis Adobe, YouTube. Quelle que soit destination, travaille en RGB. Ça veut dire que tout le ancien monde dans le métier en Capzo, une fois que vous avez fait conception, vous avez tout choisi, c'est moi qui, parce que c'est pour imprimer, il va aller. Mais ça, il est oublié, mon taro, c'est que travail là, un jour ou bien l'autre, destiné pour publier sur Internet. Donc, le ça, ou pas pour avoir une même vivacité dans la couleur. Pour le CMY qui est au terme. Et nous avons fait l'illustrateur, nous avons compris ça plus bien. Le terme est fade. Mais tandis que la couleur RGB est très vif. Et très rayonnant. Donc c'est ça que toujours, toujours travailler en RGB. Après, nous faisons travail, on va le convertir en CMY. PDF ou le sortir, le ça ou à convertir en CMYK pour bailler pour imprimer rien et puis on l'a abrité pour publier sur Internet. Ok, ça clair, pas vrai? Très bien. Bon, après ça, c'est bon, c'est d'abord, oui. Ouais, ça n'a pas de trop importance. Pour une fois que nous faisons, couillez, ça veut dire, nous, dit Photoshop, nous faisons. Il y a une création ex nihilo. Comment vous pensez ça? Allez-y. Hein? Comme je l'ai donné, on dit. Et où? Tatiana, non? Ex nihilo, ça veut dire une création qui partit à partir de rien. Donc là, nous avons une feuille blanche. Nous allons de zéro pour nous faire une conception que nous faire ou bien une création que nous faire. Mais surtout avec Photoshop, oui, nous capable faire une création à partir de rien parce que artistes digitales, ils ont fait, ils ont mis ça, ils ont pris une tablette graphique, ils ont travaillé.
Mais pour nous qui sommes graphic design, ce n'est pas toujours évident. Si toutefois, ce n'est pas un texte, et c'est bien design. Donc, c'est toujours à partir d'une photo ou bien à partir d'une image qui a déjà existé. Une fois que vous décidez d'utiliser Photoshop, donc ce n'est pas sur une image que vous traitez, ce n'est pas sur une photo ou un traitage là-dedans. Donc, ce n'est pas toujours évident pour faire création dans Photoshop à partir de rien. Donc, c'est ça qui fait nous bras utiliser l'image en pile dans Photoshop. Parce que c'est ça qui est évident pour Photoshop. Mais pendant nous, là, m'a montré nous que Photoshop, lui, est en bas de menu, même avec peut-être logiciel, fichier, édition, image, layer, type dans ses textes, sélection, 3D, view, window, et là. Donc ça, c'est en bas de menu. Vous pouvez vous cliquer, il est bon, tout. Sans rien besoin. Donc, tant que je vais parler de chaque base, on a compris au fur et à mesure, nous allons l'utiliser. Après ça, il y a une barre d'outils. Donc, c'est une détachée, parce que c'est détachable. Si nous cliquons sur deux flèches, on va mettre là deux colonnes. Ou bien en une colonne, selon ça qui fait nous plaisir. Donc, bref, c'est un bar d'outils qui est lié. Puisque vous n'avez pas utiliser Photoshop sans pas utiliser vos outils. Ce sont des maçons qui ont toujours besoin d'outils pour travailler. Donc, là, impossible de monter sur Photoshop pour dire que vous n'avez pas besoin d'outils. C'est impossible. Impossible. Vous pouvez utiliser au moins une quand même. Ça qu'on nous vivait, bah, l'outil a disparu, boum, et puis on va chercher l'ouvrage. Donc, le service, on va aller dans Windows. Et puis, Toolbox, c'est le qu'on s'est dit en anglais. Parce que chaque menu, ça arrive en ordre alphabétique. Vous voyez? A, A, B, C, G, en ordre alphabétique, jusqu'à ce tomber sur Toolbox. Toolbox. Alors, Tools, et puis vous cliquez sur lui, et puis il paraît. Ok, après ça, il y a tout, sous côté ça, couleur, de l'autre palette, il y aurait les palettes. Ok, on va détacher. Voilà. En la palette, ça, il y a plusieurs détails là-dedans, librairie, propriété. Ok, et puis il y a palette, layer, ça, il y a les calques, que nous allons voir tout à l'heure. Donc là, nous nous compte que mon petit Jean Gaïo, ok? Ok? Donc, propriété. Donc là, espace de travail, moi, il y a un petit Jean en désordre. Si toutefois, je vais mettre en ordre, c'est retourner dans Windows, Workspace. Et puis, il y a plusieurs espaces de travail qui existent. Il y a les essentiels, c'est lui-même qui sont espaces de travail par défaut. 3D, graphique, pour le monde qui a fait ça sur Internet. Motion pour mon café, montage, vidéo, painting pour artistes digital, photographie pour mec qui n'a photographie, mec qui photographie. Dépendamment de qui espace de travail qui est coché, la demande pour reset, pour réinitialiser. Comme nous sommes essentiels par défaut, donc c'est ça qu'elle propose reset essentials. Si nous sommes sur motion, nous avons marqué reset motion. Ça en bas, c'est pour nous créer un nouvel espace de travail parce que nous avons configuré le propre espace de travail personnel, configurer l'engin nous voulons. Nous retirer les outils, mettre les outils, nous avons besoin d'outils. Donc, nous avons un espace de travail qui est personnalisé. Donc, ça, c'est une possibilité de nous créer. Et ici, toutefois, si nous avons besoin encore, nous avons effacé. Voilà. Là, moi, je fais une réinitialisation et puis je remets tout. Palette yo dans place tout bagay vin dans place. Donc premier bagay di nous nous avons besoin ces outils yo. Bon quitter la deux colonnes parce que là pour un lieu agréable et puis facile d'utilisation. Barre d'outils là, palette d'outils là. On dit nous c'est un premier bagay qui indispensable
que nous devons maîtriser bien. Avant ça, nous devons bien maîtriser, c'est les yeux. Nous connaissons ça, qui ont les yeux. On les yeux, c'est un front. Il dit non, le français, calque, c'est un front transparent. Donc, c'est niveau de construction et conception à faire. Il y a possible construction. Donc, loi font conception, montage, photo, n'importe qui ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de construction. Ou quand travailler sur seul meilleur souvenir. Mais il va recommander parce que ça a le goût de tourner derrière. Par exemple, on imagine où tu fais un petit tonton qui dirige bouche. Alors, on va nous faire une démonstration. Bosch, B. Par exemple, on dit, ça c'est un petit tonton. Ça c'est même qui content. Mais ça arrive que le client dit, mon cher, pas besoin d'un personnage qui joue à comme besoin d'un personnage qui triste. Mon fin fait travail, ils ont fait une appel. On a la question qu'on va faire, c'est que faut échanger sans souffrir un bouchon. Mais le fait que tu fais ce lieu, c'est difficile. Allez, ça soit qu'on va utiliser pour nous de baronner, on prend une barre qui est compliquée. Mais tandis que si vous faites un lieu pour chaque barre, ça va. Ok? Bon, moi, je fais un nouveau lieu. Alors, si j'ai ça, nous, à bon côté, là, c'est pour cacher la visibilité de lieu. Par exemple, vous cochez ce jeu ça, les SA va disparaître. Alors, il va disparaître. Il est invisible, il n'est pas visible. Jusqu'à ce que moi, je clique sur ce jeu encore pour me rendre visible. Vous avez remarqué une bonne différence, c'est le SA, les calque ça, il est blanc parce que c'était un calque. Par défaut, une fois qu'on lance Photoshop, on l'a fait par défaut, même si on voit une image d'eau. Les risques font calme, pas grand, pas défaut. Là, Noël différent, bah, ils font blanc de guetaler, un petit chaos. Donc, ça, c'est pour simuler transparence dans le logiciel Adobe. Les petits chaos, ça, c'est une façon pour dire qu'ils sont espaces qui sont transparents. Même si ils sont internet, ou ouais, espace ça encore. Donc, c'est une simulation de transparence. Ok. Donc là, moi j'ai un lien qui est transparent, ça veut dire avec un fond derrière. Donc ça sont premier lien créé. Alors là on a créé le lien. Donc cliquez sur petit plus ça. Noël. Créer un lien. Ou bien aller dans menu qui marque lien. Lien. Et puis faire un et puis lien. Si toutefois on a utilisé un raccourci clavier pour fanatique raccourci clavier, c'est Shift, Ctrl, N pour nous faire un nouveau layer. Et puis là, il y a une possibilité pour nommer le layer. Par exemple, si nous disons que le layer ça, bouche. Et nous faisons OK. Et puis là, je suis capable. Alors, bon, moi, j'ai affiché les yeux plus grands. Pour le faire, on va aller dans un petit point ça là. Parce que nous trouvons un petit appétit pour faciliter la projection. Et nous allons aller dans le panel option panel. Et puis là, on va afficher très grand. OK, donc les yeux, ils ont une vie pour. Nous allons détacher tout simplement. Juste pour faciliter nos yeux. Ok, donc là, je vais vous lire pour le bouche. Là, je vais vous lire pour le génie. Pour nous nommer les yeux. Nous double-cliquons sur nos marques les yeux. Sur nos yeux. Et nous allons dire les âges. Et puis, nous faisons. C'est plus encore. On lire là. Nous allons dire les yeux. On est tête. Donc bref, on capable faire autant de éléments dans
Non, personnage, on va faire autant de lire pour lire. Ok, là, on vient lire maintenant. Fait tête moyen. Là, lire maintenant. Alors, et n'a pas remarqué, ça me fait là, c'est moyen, il est flou. Donc, c'est parce que, broche moyen. Ok, mais côté broche moyen, oui. Donc, n'a pas venu sur cause broche quand même. Une fois qu'on prend ce clic droit avec Alt, ok, si on aller de gauche à droite, donc ça, je suis épais sur les là. Si ma ligne de haut en bas, les yeux sur opacité, les pas les excusez-moi, sous brochant, sous épaisseur, gauche-droite, est-ce une maison brosse qui est gros ou bien petit? En haut en bas, est-ce une maison brosse qui est assez floue ou bien une brosse qui est assez raide? Donc, comme maison brosse qui est assez raide, moi, mettez-le à 100%. Et puis, il fait parfaitement trop gros. On va faire un peu plus petit. Ok, mettez-moi. Boum. Et je vais aller dans la bouche moyenne. J'aime défaire là. Je fais ça. Je vais aller dans le DG mieux. Ok, je vais tout mettre là-dedans. C'est pas grave. Quand il y a la cliente dit non, je vais appeler. J'aime ça dire non, je vais appeler. Et moi, je vais appeler le personnage moyen et joyeux comme ça. Besoin de triste. Mais ce n'est pas simple. Le samedi, créons l'autre lien. Que je décale les bouches tristes. Je vais les mettre comment. Et puis, les qui ont une bouche qui était content, je vais retirer. Et puis, je change. Donc là, c'est plus facile autant que créer les. Donc, c'est plus facile, les gens ont un barbe et tel bagage. Sur les on va juste supprimer ou bien les cacher pour un moment. Parce que ça va arriver à l'avenir, ils changent l'idée. Ils disent, et Tristan, elle était contente, elle était bon. Ben, moi, elle est contente. Donc, pour simplement recacher ça, comme par magie, et sauter bien avant, il est toujours là. Donc, c'est important, l'IEO, gagner. Donc, c'est ça qu'il faut toujours, toujours, toujours travailler sur l'IEO. Donc, si toutefois, nous avons l'animation, tout le l'IEO est extrêmement important pour nous, toujours. Gagner. Sinon, animateur, on a des problèmes avec nous. Sinon, on a le travail en vrai. Il faut que travailler, son layer comme machine, caoutchouc son layer comme machine dans son layer. Donc, pour faciliter le travail. Le premier bar, nous sommes capables de nommer. Nous sommes capables de déplacer, nous sommes capables de cacher. Cacher visibilité, rendre visible, rendre invisible. Nous sommes capables de déplacer autour. Pour nous déplacer, c'est cliquer, quimper, et puis déplacer côté, venir déplacer là. Par exemple, je vais mettre bouche en bas de tête là. La bouche là, vient en bas de tête là. Donc, nous les déplacer. Que l'autre bas encore, nous devons connaître les lieux. Les lieux autour, nous sommes capables de locker. Pourquoi nous cliquons sur ce cadre ça? Boum, lieu ça, les lock. Donc, l'on lit le lock, ça veut dire pas qu'à faire absolument rien sous le livre. Donc, son livre qui vit inaccessible. Donc, ça, c'est l'un ou lock livre. Livre tout capable de mettre dans un groupe, capable de grouper. Le ça, ou créer. Si faut le ça qui se groupe, son possibilité. Ok, dépendamment des côtés de couple en tombé. Si vous mettez le groupement là en l'air, laissez ou cliquer sur un premier lien, aucun B, contrôle ou bien chiffre. Par exemple, si je sélectionne tous les quatre liens, ça aussi me pose des chiffres, il permet de sélectionner tous les quatre. Mais si je n'ai pas besoin de tous les quatre, avec touche contrôle là, aucun B, désélectionner une, et puis je rentre un groupe là. Là, il y a un dedans, il y a un groupe. Parce que des fois, nous avons besoin. Grouper, travailler, donc si bien bah qui semblait. Donc tout ça nous va mettre dans le corps personnage, nous faisons groupe le corps, tout ça nous met dans la tête, nous faisons groupe le tête,
tout ça nous mettez dans un membre inférieur, supérieur, nous faisons un groupe pour nous. Donc, comme ça, nous avons une organisation qui est mieux. Donc, après ça, nous avons un groupe. Nous n'avons pas bien pile les gens qui sont éparpillés dans l'espace noir. Nous avons bien contrôlé plus. Même chose avec les gens, nous sommes capables. Nous sommes capables de renommer aussi une double figure sur eux, un personnage. Donc là, l'IUR et le groupe blanc, les renommés. Donc ça, sont possibilités. L'autre possibilité, tout, si toutefois nous avons l'IUR, nous sélectionnons l'IUR, ça par exemple, nous sélectionnons ça avec contrôle. Et puis, si nous cliquons sur le groupe blanc, eh bien, il est supposé automatiquement rentrer dans le groupe là. Donc, ça a clair jusqu'à présent? Non. Qui ça pour clair? Ça clair, moi, je vais vous dire. Ok, on va reprendre jusqu'à qui peut être. Pour me grouper les liens. Donc, pour créer les liens, on va avoir aucun problème à ça. Ok. Donc, pour grouper, une fois qu'on crée plusieurs liens, exemple, les liens, ça, rouge, parce que je vais vous mettre une couleur sur eux. Mwen le liye sa ver. E pi mwen le liye sa joun ba ekzanp. Men nan mwen le groupe yo. Pou mwen groupe yo, mwen kapap avèk touche kontrol sou klavye. Klike kenbe. E pi mwen seleksyonne sa mwen le groupe yo. Ok? Donk pou groupe yo, swa, yon fwa pou yo seleksyonne, sou klike sou ti folder sa, la tou antre otomatikman nan gwo. Si nan ta dwe jwenn la, nyon, e pwi, gwo fom layer. Sa son lòt posibilite. Ou ale nan menu layer, ou klike sou nyon, e pou pizi gwo fom layers. Ou klike sou li, e pwi, tout layer yo yon rentre nan gwo. E pwi la, sa ki enteresan menu, sa ki tout bon posibilite pou nomme layer la. Et puis, si je clique, si je mets le couleur, par exemple, je fais OK. Et voilà, il y a un layer qui est le groupe de layers qui est le groupe. Jusqu'à présent, ça clair, pas vrai? OK. Alors, ça a un autre détail, je pense au fur et à mesure d'un fond, parce qu'il y a plusieurs types de layers. Il y a un layer fort, il y a un layer texte. Il y a les background, ça tout le monde, ça sont les images. Donc, il y a plusieurs catégories. Mais au fur et à mesure, on a travaillé, on a trouvé, on a compris. Et au lieu que Mouchita parle de eux de manière théorique. Ok? Quand on regarde nos bagages, on nous cache les personnages, non? Puisque, bon, on n'a pas besoin. Maintenant, moi, j'ai espace de travail, moi, seulement j'ai un layer qui est visible. En fait, groupe layer qui est visible, qui c'est layer couleur. Ok, capable de déployer. Oui, donc capable de déployer, vous déployer et groupe layer, capable de gagner accès avec le contenu qu'il a dans vous. Donc, c'est sur ça que vous cliquez, sur ce petit ça. Donc là, j'ai accès à groupe les avec contenu les mêmes. Et donc, si je clique sur jaune, je voulais colorier background ça en jaune. Si nous regardons là, dans la zone ça là, dans la zone bar d'outils, Noël, là vous remarquez, il y a deux petits carrés, il y a un couleur noir, un couleur blanc. Si toutefois, nous pas jouer sur couleur qui est sur ordinateur noir. C'est toutefois couleur noire différente, on a jaune, vert. Donc, si nous procédons sur le clavier, nous allons réinitialiser. X, c'est pour nous intervertir. Donc, il y a une qui est couleur premier plan, il y a une qui est couleur arrière-plan. OK? Par exemple, si nous double-cliquons sur ça, nous tombons dans une palette couleur qui est rouge chromatique là. Donc, ça, c'est une roue chromatique, même si nous sommes tout droit. C'est une roue qui est liée. Nous sommes une roue chromatique, elle fait environ combien de degrés? 360 degrés.
Ça a tout les 360 degrés parce que il commence à l'époque ça, mais beaucoup de justification ça, non, mais il a commencé à montrer, non, prouver, non, que c'est en rouge. Premièrement, il commence en rouge, il finit en rouge. Donc, c'est ça, il commence en rouge, il finit en rouge. Quand on sinon aller là, non, TSL en français, si tout pas ordinateur non, en français, TSL. Ou bien HSB, U, saturation, brightness, luminosité, saturation, SL, TSL, luminosité, non, teinte, saturation, luminosité, teinte, saturation, luminosité, TSL, U, saturation, brightness, teinte, saturation, luminosité. Donc, le dit tep, c'est couleur ça, nous gagne là, sous roi. Vous remarquez, il est exprimé en degré. Ok? Il est exprimé en degré. Donc, il est sorti dans 0 degré. Hein? Non. Et puis, vous retournez dans même 0 degré. Hein? Donc, ça fait une dimension où qu'il y a, même si nous sommes tout droit. Oui, mais je vais passer 360 là. Boum. Après ça, je vais retourner à 0. Donc, ça clair. Donc, là, vous marquez tête là, je vais exprimer en degré. Donc, je suis dans rouge, je vais faire tout ce là pour 360 degrés. Mais tandis que saturation avec luminosité, je vais exprimer en pourcentage. Donc, si nous besoin choisir en tête, ça veut dire en couleur, c'est là où on choisit. Ça c'est rouge, ça c'est violet, ça c'est bleu, vert, jaune. Donc nous venons, nous décider qui tête nous choisir. Ça veut dire qui couleur nous choisir. Donc c'est nous qui choisir en couleur. Rouge. Donc là, on a 240 degrés sur rouge chromatique là. Ensuite, pour nous choisir luminosité et saturation, donc c'est ça, nous bien là, nous voyons que c'est ça, c'est de gauche à droite. Ouais. De gauche à droite. Là, vous marquez là, côté marqué nous. Là, nous avons couleur qui est très très saturé, et même sur saturé. Voilà. Donc, couleur, il est désaturé. Donc, là, nous choisissons tête là. Si toutefois, on a choisi saturation couleur, hein, c'est de gauche à droite, on a fait cercle la marche. Mais tandis que si nous faisons en haut, en bas, c'est luminosité. Quantité de lumière, on a bien la couleur. On a remarqué une fois, ça c'est brightness, hein, là, cap, et modifié. Donc, ça sont pastilles, si toutefois, nous montons pastilles en l'air. Là, on a une luminosité qui est 100%, là, on a une luminosité qui est 0%. Donc, si toutefois nous avons nos comptes, nous allons aller de gauche à droite, nous avons des chiffres pour nous compter mieux. Attendez, ça va marcher. Alors, voici, chiffre toujours. Bon, malheureusement, ça va marcher. Mais quand même, depuis nous allons aller nous bien droite, donc nous sommes capables de jouer sous tête. Donc, ça clair jusqu'à présent. Après, ça vient l'autre bagaille. Je pense qu'à l'avenir, on a connu, on a beaucoup de pantalons. Bref, on a vu les sous-bas et à l'avenir. Donc, on a parlé de RGB, mais il y a encore. Oui, oui, j'ai RGB. Par exemple, couleur, ça, pour marquer nous, et nouveau, que nous choisissons. Mais qui quantité rouge, il y a là-dedans, mais qui quantité vert, il y a là-dedans, mais qui quantité bleu, il y a là-dedans. Même j'ai tout capable de décider de ne pas besoin bleu là dedans du tout, mettez bleu à 0, mais ça pour lui en changer dans même net. Ouais. Nous sommes les professeurs qui ont parlé de mélange couleur. Si par exemple, alors valeur couleur ça aussi 255, si nous mettez rouge en 255, reste à 0, donc là, on a rouge. Si nous mettez, si nous faisons l'inverse, même bas là, 255 bleu. Alors, pas bleu, non, vert, pardon. Donc, le gain, vert pur.
L'elle dit nous mélanger rouge avec bleu. Qui couleur elle dit là-bas, non? Si nous mélanger rouge avec bleu, violet. 255. Et voilà. Violet. Ça clair? Si nous mélanger rouge avec vert, ça là-bas, non? Nous va un rouge avec vert, les mélanger les ballons jaune. Moi, vous avez dit blanc, bah, on sait. Mais il va faire blanc. Ok? Donc, ça, c'est une possibilité pour nous, hein, pour nous être capable de mélanger les couleurs. Nous aussi, toutefois, nous avons un espace de couleurs qui est RGB. Donc, espace de couleurs, ça, c'est des canaux de lumière. Mais tandis que CMJMU, c'est l'encre. Donc, sur d'encre, ça différence. Donc, RGB, c'est canaux de lumière, ça veut dire lumière la projetée, mais ça lui-même, c'est l'encre. Donc, imprimeur lui-même, c'est ça qui est intéressant, c'est ça la mélanger. Comprenez? C'est là la mélanger couleur, la mélanger en pourcentage, si en pourcentage jaune, en pourcentage dans chaque couleur, ou balle. On s'est mis deux couleurs. OK. Donc, ça clair jusqu'à présent. Donc, nous songeons tout, monsieur te dit nous, si nous retirons toutes couleurs, ça honnête. Par exemple, nous mettons tout ça à zéro, qui couleur? Qui ça n'a pas noir. Mais tandis que si nous prenons toutes couleurs, ça va mettre tout à 100%. N'a pas bien qui ça? Avec blanc. Bon. Bref, c'était pour démontrer tout ça et le professeur t'a dit ce n'est pas ça. Bon, bref, là je me dis non, nous choisissons une couleur qui, ce qu'il est, nous est encore. Nous sommes sous le jaune. Nous choisissons une couleur jaune par exemple. Donc, si nous avons besoin d'un bon jaune, nous juste mélanger en rouge avec en gris, en petit gris, en vert. OK? Donc. Bon, la couleur est déjà là. Maintenant, pour nous appliquer, nous sommes capables d'aller dans le pot de peinture, ça. Bokeh en anglais. Nous cliquons et puis, nous cliquons sur ça. Bah, et puis, couleur est appliquée dans l'espace de travail. Donc, si tu as besoin de commencer un travail, pour une jeune peinture Bokeh là. Au fil, nous voyons comment vous mélangez couleur ça déjà. Pour aller dans les outils, là, alors mettez Paul en deux colonnes pour vous joindre facilement. Vous pouvez marquer Paint Bucket ou bien faire G, presser G sous clavier, comme on a poussé clavier, G. Et puis là, enfoncer le rabouel. Oui, ok. Voilà. Maintenant, pour ouvrir. Nous allons au même côté. Hein? Voilà, c'est G sous clavier. Hein? Et puis là, tout tombe sous lui directement. Voilà. Et puis, pour remplir la avec couleur. Oui, bon, répondre sur ce type publiquement. Tant pour. Tatiana, par exemple, a un problème, c'est que l'idée sous mon espace de travail qui était photographie. Ok, c'est ce espace de travail ça l'idée. Alors, même si ça vous aussi, toutefois, non, nous avons un problème, non? Donc, Paintbucket, non, dans les essentiels, est normalement caché là, derrière outil dégradé. Mais, outil dégradé, non, espace de travail photographie, il n'y a pas de petite flèche et petit triangle inversé, ça, qui n'a pas l'air. Parce qu'il n'y a pas de sous bon espace de travail. Là. Donc, le fait qu'il y ait des sous-photographies, ça ne s'appelle pas Johnny. Donc, les salariés ont été cliqués sur les essentiels. Et là, ils cliquent sur Gradient tout le temps et puis la Paint Bucket. Vous comprenez? OK. Maintenant, on a fait même bas là et pour l'autre layer. Essayez-vous moins, sans qu'il ne soit pas obligé de dire non.
n'a mettez ça vert, lié ça vert, n'a mettez lié ça rouge. Montrez-moi ça nous café. Vous pouvez maintenant aller rapide. Si nous comprenons l'aspect ça, oui. Nous pouvons c'est shift, backspace. Ça sont raccourci clavier. C'est un peu obligé de nous raccourcir. Hein. Édition. D'ailleurs, bomba nous milieu plutôt. Bon, bon c'est ça puis pédagogique puis classique. D'aller dans après ça nous même n'allons chercher raccourci. D'aller dans édition, edit et puis fil. Shift F5 ou bien Shift Backspace et puis là vous choisissez le content et vous cliquez sur color. Alors bon tout dit non pareil, on remarque à chaque fois que nous ouais on menu dans n'importe quel logiciel là donc gain 3 petits points depuis nous cliquer sur lui là mener nous vers en boîte de dialogue depuis nous non il y a 3 petits points de vous cliquer sur lui là mais non vers en boîte de dialogue donc color là le fait qu'il gain 3 petits points ça ou pas mener vers en quelle boîte de dialogue mais tant que color là la mener obligatoirement nécessairement vers en boîte de dialogue cliquer. Et puis là, je choisis couleur. En fait. Donc, je choisis qui couleur vert, rouge, vert, bleu, 0 rouge, 255 vert, et puis 0 bleu. Et puis, je fais OK. Et puis, je fais OK. Qu'on a qui sacrifie d'après nous-mêmes. Couleur n'a pas appliqué ou bien appliqué? Il a appliqué le monde qui est une bonne réponse. C'est parce que je n'ai en l'air de couvrir pour le visible. Pour le visible, moi cliquer, moi masquer le jaune et puis vers moi apparaît. Donc, puisque je n'ai en l'air, tout ça en l'air, c'est niveau de construction, c'est eux-mêmes qui ont priorité dans la visibilité. Donc, pour les gens, nous allons faire un détail. Et puis, ça marche.